C'est bon. Et salut les amis, c'est Yayo et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, non pas sur les Sims 4, non pas sur les Sims 3, non pas sur les Sims 1, non pas sur les Sim City, non pas sur Minecraft, non pas sur Assassin's Creed, non pas sur... mais sur les Sims 2. Voilà, voilà, voilà. Mais pas sur n'importe quel Sims 2, car il s'agit effectivement, vous l'avez peut-être déjà compris, des Sims 2 naufragés. Voilà, sur les réseaux sociaux, je vous ai demandé si ça vous intéressait. Vous avez été une très grande et étonnante majorité à me dire que ça vous intéressait. Du coup, je vais faire ça. Je vais faire la mission avec le monsieur. Car, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est les Sims de naufragés? C'est une histoire avec les Sims, c'est-à-dire qu'on a toujours les besoins, les relations, les compétences, etc. Enfin, on a tout ce qui fait le charme des Sims, mais scénarisé, comme vous pouvez le voir, là j'ai du texte qui vient d'apparaître, ma caméra a bougé subitement pour me demander d'aller ramasser ceci. Et donc voilà, on va vivre en tant que naufragé, dès que possible. Alors j'ai pris l'histoire du monsieur, mais en fait je ne sais pas si c'est la même histoire avec le monsieur et avec la madame, car on a le choix entre deux... Qu'est-ce que c'est que ça? La malle de voyage que vous venez de trouver se trouve désormais dans votre inventaire de récompenses. Cliquez sur l'icône de récompense. Alors, on va placer... dégage, s'il te plaît. On va placer cette malle. Alors je disais, je ne sais pas si l'histoire avec la madame est différente avec celle du monsieur, car pour le moment je n'ai fait que le début de celle de la dame, et le monsieur je le découvre avec vous justement pour avoir la surprise, car je n'y ai jamais joué avec le monsieur. Ça se trouve c'est la même que la dame, hein, et la dame j'ai un peu avancé. La madame, cliquez sur les données pour consulter votre journal. J'avais pas désactivé les astuces. Non, bah c'est un tuto obligatoire quoi. Donc il nous dit qu'il faut qu'il écrive dans son journal pour se sentir moins seul. Voilà, 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 voilà. Cette malle est parfaite. J'ai une de ces soifs. Boire de l'eau partout, de l'eau. Comment boit-on de l'eau? Nager. Comment? Alors il a soif, c'est ça? Alors normalement je crois qu'on a des objectifs, c'est ça. Étancher sa soif, boire du jus de coco. Voilà, donc je vais faire des épisodes un peu plus longs que d'habitude, surtout que je n'ai pas la moindre idée de combien de temps dure un let's play, je sais pas combien de temps dure ce jeu en fait, tout simplement. Alors attendez, je vais un peu baisser tout ça parce que ça fait bobo à mon ordi, je ne sais pas comment ça se fait, mais c'est pas grave. En fait, ma carte graphique fait des améliorations, le jeu n'est pas du tout comme ça à la base, enfin, pas du tout comme ça. Certains graphismes sont un peu plus moches et ma carte graphique s'obstine à vouloir démultiplier la qualité des textures, etc. Si jamais ça me gêne trop, j'irai dans les options et je corrigerai tout ça avant la fin de cette vidéo. Et voilà, donc on a notre coco. Ça fait du bien. Quoi? Ça fait du bien par où ça passe? D'accord. Je devrais en trouver d'autres pour plus tard. Ramasser des noix de coco. Récolter des noix de coco. On va vider cet arbre. Hop là. Donc le principe de cette histoire, bah, c'est de survivre déjà. Et aussi de s'échapper, de retourner à la terre ferme. Enfin, je peux pas vous en dire plus, sinon je vais vous spoiler. Juste pour grignoter, il nous faut du feu maintenant, donc on va prendre du bois grâce à la petite machette que j'ai récupérée juste avant. C'était origine... Oh là. Là là là, donc là on me dit en bas à gauche de mon écran, vous pouvez voir le nombre d'unités de nourriture et d'objets, et en fait c'est les Sims Flous quoi. Donc avec ce que je viens de ramasser, je peux me payer normalement un feu de camp qu'on va mettre au bord de la plage. C'est ça. Et on va maintenant allumer un feu. À la tête.
Voilà, c'est une petite aventure sympatoche, sympathique, sympathique. Je pense que les épisodes vont durer peut-être 41 heures. Enfin, 40 minutes. Hein. Ça y est, j'ai allumé un feu. Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Oh, ça m'a fait peur. Il y a eu du tonnerre. Il faut vite se fabriquer un... Oh là, mon téléphone qui sonne. Il faut vite se fabriquer un abri. Un abri, un petit abri sympathique, sympatoche ici. J'adore les musiques de ce jeu, c'est un truc de dingue. D'ailleurs, j'espère qu'on m'entend bien parce que je fais ce let's play d'ailleurs. Je dois être le premier let's player à faire un let's play avec Windows 10. Et il y a un bug, je peux pas régler le son de mon ordi. Enfin bref. Je devrais me reposer. Ah oui, mais le problème c'est qu'il est pas fatigué. Il est pas fatigué, du coup il va récolter des noix de coco pour se fatiguer un petit coup. Des noix de coco et 10 noix de coco, 10 noix de coco, si si si. Vous avez vu, c'est extraordinaire, hein. Contrairement à d'autres jeux Sims que je connais, ils se téléportent pas devant l'arbre pour ramasser les noix de coco. Alors, il est toujours pas fatigué, petit besoin, ils font ça. Oh là là. Petit besoin, on fait ça là, alors je vais un petit peu explorer, qu'est-ce que c'est que ça, ça je sais pas. Quoi ça va servir, vous devez vous en douter très certainement. Voilà, on va couper ce bois. Oh là là, on allait rater ça. Normalement ça repousse tous les jours. Alors qu'est-ce qu'il fait? Voilà, ce que j'aime bien, vous pouvez voir à la place de l'heure, on a en fait un cadran solaire, du coup on sait pas trop l'heure qu'il est là. Je sais pas, ça se trouve il est... là, il doit être 22h, 21h. On sait pas trop, vous voyez, moi j'aime bien ça. Et on peut dormir maintenant. Et en plus de ça, on a récupéré pas mal de choses. Alors vous voyez qu'il y a une noix de coco qui est en train d'y mourir et d'y m'y casser toute l'environnement là, tout l'environnement. Mais on n'a rien pour le jeter pour le moment. Car là pour le coup on commence vraiment de zéro. Hein. Allez, on fait dodo, le temps devrait s'accélérer. Il zoom. Notification. Cinématique. Oulala, les méchants singes. Heureusement j'avais fermé ma malle, sinon ils auraient pu me voler des choses. Chapitre 2, survivre. Heureusement que je fais pas chapitre par chapitre, hein, parce que sinon... Quelque chose a détruit mon campement pendant que je dormais. Il va me falloir ce dont je vous parlais il y a quelques secondes. Ah, mais il me manque une ressource pour faire. Il va nous falloir un moyen de détruire nos déchets. Par contre, là, mon jeu est en train de souffrir. Je vous reprends dans une seconde. Y voilà, y voilà. Normalement, c'est la méga fluidité de la mort qui trucide. Normalement, en tout cas, c'est nettement mieux qu'avant. Je sais pas si vous allez le voir, mais pour moi, c'est nettement plus fluide. En fait, mon ordinateur débile utilisait la mauvaise carte graphique. Voilà. Alors, achat. On en était donc... C'est bizarre parce que du coup, l'image me paraît beaucoup moins lumineuse. J'espère que pour vous ce sera pas totalement noir. Mais c'est pas grave, hein, on s'en fout, au pire je réglerai ça au montage. Alors on va mettre la poubelle un peu éloignée quand même de notre campement. Et on va de ce pas, c'est nettement plus fluide, hein, nettoyer tout cela. En espérant qu'il fasse tout. Non, il faudra tout faire à l'envers. Vas-y, fais mon ami. Vous avez vu, hein, les Sims étant naufragés, il y a
Les saisons. Enfin, il y a au moins la pluie et la température. Et on a un peu chaud d'ailleurs. Aussi propre que possible. Je suis absolument dégoûtant par contre. Je vais aller nager pour me laver un peu. Et si c'est pas beau ça, la pluie qui s'arrête-t-il au moment où on va nager? On ramasse quand même ça. Ah, les fluidités, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que... D'accord. Wow! Eh ben dis donc. Qu'est-ce qui se passe? La caméra est bloquée. Oui, un petit poisson. Y'a un petit poisson. Y'a un petit poisson. Le mec, il devient complètement taré. Alors, je disais que ma caméra est bloquée, mais elle ne l'est plus, c'est ça. Elle ne l'est plus, ce serait bien qu'il me prévienne. Voilà, on a fait notre objectif. Ah! Ah, ah, ah! Examinez. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah, il va falloir pêcher d'abord. What's this? C'est comme ça que je fais la voix des Sims, absolument. Ah ben, je peux pas. Alors, pêcher ou harpon? Wow, 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 wow. Et quand il courait dans les Sims 2, il courait vraiment, hein. Ça rigolait pas. Vous avez une pizza, trois fromages et toujours des petits dialogues en haut à droite. Ah! GG. Non, il faut pêcher. Vous avez des lasagnes? Ah bon, en fait, c'est la même histoire avec la meuf et avec le mec. Hein. Non, il faut pêcher. Vous avez des pinces de crabe géantes? Mais il faut pêcher. Il faut pêcher, vas-y toi-même, qui ça moi? C'est à moi que tu parles. D'accord, il devient schizophrène, notre pauvre Sim. Donc il y a nos unités de nourriture qui augmentent, qui sont pas mal élevées d'ailleurs. Oh. Bravo, du poisson cru. Et qu'est-ce qu'on fait avec du poisson cru? Wow, 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 wow. Caméra qui bouge toute seule. On va rallumer le feu et le manger ce poisson même si on n'a pas tellement faim. Mais bon, il faut suivre l'histoire parce que sinon on n'avance pas. Les objectifs restent bloqués et moi je veux aller le plus loin possible avec vous dans cette histoire. Cette histoire incroyable. Dites-moi dans les commentaires si vous aviez déjà, si vous avez déjà joué à ce jeu et s'il vous a plu. Et ce qu'il découvre aussi, ce que vous en pensez maintenant. Ça fait quand même une dizaine de minutes qu'on est ensemble, je suppose, je ne sais pas, vu de nez, vu que j'ai fait une coupure au milieu, je n'en ai pas à mon idée. À propos de la spécialité pêche du jour, on n'a pas tous les jours du poisson aussi frais en ville. Ah là 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 là, quel humour. Ah oui, en effet, il a l'air de trouver ça super bon. Où est-ce qu'il va? Il va mettre à la poubelle, tout simplement. Donc, quand on n'a pas d'objectif, et eh ben on attend. En faisant rien. En ramassant des trucs. Wow! Ah, on va enfin s'occuper de ça. Je devrais regarder les débris près de chez moi. D'abord ramasser le bois, car c'est très important. Ramasser. Oh, mais quel petit malin! Regardez ce qu'il fait. J'aimerais bien des Sims 4 histoire. Construire la base. Magnifique ombre. Il n'y a pas l'ombre d'ici. Ah si, elle vient d'apparaître. Wow, eh ben dis donc, si ça pouvait aller aussi vite. Si ça pouvait aller aussi vite, ce serait parfait. J'ai envie d'éternuer depuis tout à l'heure, je me retiens. Je vais éternuer avec vous les amis là. Super, je n'ai rien vu sur la plage dont je pourrais me servir pour attacher des... Ah zut. Ah, wow, 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 wow. Des fois je bouge en même temps que la caméra, du coup ça fait n'importe quoi. Chapitre 3 déjà. J'ai besoin de quelque chose pour couper ce bambou. Une machette fera sûrement l'affaire. Ah bah, je crois. Ah non, c'est une hache qu'on avait trouvée.
Alors, pour chercher des trucs, il faut aller dans le sable vert. Il faut creuser. Regardez-moi ce paysage comme il est beau quand même. Wow. Ah, la voix, horrible. Ouais, on a trouvé, c'était trop facile. Et on va explorer. Ah non, zut, il faut d'abord couper. Ah, décidément. Hop, couper. Je pense que ça va nous faire... Ouais, ça nous fait aussi des bonus. C'est bon, t'excites pas. Et c'est parti, les amis. Ah, explorer, ouais. Qu'est-ce qui se cache derrière? Oh, les ailes brisées. Oui, c'est la musique du suspense que je viens de vous faire. Il est minuit quand je tourne cette vidéo. Wow, cinématique. Wow, c'était pas Valère plus vieille que moi. Je me demande depuis quand elle est là. Je me demande combien de temps je vais rester ici. Je trouverai peut-être une radio ou un signal de détresse dans le cockpit. Allons voir ça, chercher. Et voilà, nous avons découvert une nouvelle zone. Avec un avion qui s'est visiblement écrasé, et ce depuis très longtemps. Non, une carte. Ceci est une carte de voyage. Utilisez-la pour aller rapidement d'un endroit à l'autre parmi ceux que vous avez déjà explorés. Selon la carte, une autre piste démarre ici et mène vers le cœur de l'île. Oh, la cité des singes. Chargement en cours. On se croirait dans les Sims 4. Troll, 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 troll. Oh les amis, j'ai peur. Il y a du tonnerre et des éclairs chez moi. Oh là 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 là, les amis, j'ai tout peur. Hein. Alors moi je suis sur une île abandonnée avec mon Sim cinématique. Enfin quelque chose à dompter. Bien le bonjour, la Kessimiesque. Il y a quelque chose à la base de cet arbre. Je vais le prendre, ça sera un souvenir parfait de mon séjour sur l'île. Oui, parce qu'il croit qu'il est dans une télé-réalité. Enfin bref, alors vous comprenez ce qui va se passer. Hop là, c'était prévisible. Le petit macaque, il ne veut pas de nous. Du coup, il nous fait la battle. Où est-ce que je vais? Et moi qui pensais naïvement que les herbivores étaient tous pacifistes. Ah, les amis, je viens de couper l'enregistrement et de le reprendre instantanément. Après avoir éternué langoureusement dans mon micro. Voilà. Alors, il faut donner les bananes au petit singe. Donner une banane, donner une banane, donner une banane. Parce qu'il faut qu'il soit ami avec nous, car sinon il nous défonce la tronche. Ah, je déteste. Ah, s'il y a bien un truc que je déteste sur cette planète, c'est les singes. Ah, dégoûtant. Ah, ah. Quelle horreur. Quelle horreur, les singes. Bon, lui, on va essayer d'être un peu... Oh, dis donc. Tu pourrais me remercier, quand même. On va jouer. Oh, les mains. Et voilà, mes petits amis velus. Vous n'essayerez plus de me taper. Maintenant, il est temps de réclamer ma récompense. On va lui donner encore une banane. Il ne manque plus qu'un piège qui lance une armée d'abeilles en colère, armée de sarbacane. Il devient totalement fou. Se faire réclamer une friandise. Ça va, gros lard? Oh les mains. Je m'occupe de ton frère, moi. Et après, on va prendre.
Qu'est-ce qu'il va, lui? Bon, il va faire caca. On va peut-être pas suivre jusque dans sa litière. Hop là, et voilà, voilà. Ouh là là. Ça a fait un bruit bizarre quand on l'a pris, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ça devient gênant. C'est toi qui as sculpté cette idole ou tu l'as commandée sur internet? Humour. Carte. Qui a sculpté cette idole? Ces personnes sont-elles toujours sur l'île? Sont-elles des cannibales? Je devrais rentrer au campement afin de découvrir... Nanana. Et puis j'ai eu mon quota d'émotion pour cette journée. Du coup, à la famille Barrière. Le mec qui s'appelle Barrière. Aucun souci. Aucun souci, nous ne sommes pas là pour critiquer. Alors je suppose qu'il va falloir poser la statue. Les mains de l'idole, le chapitre 4 déjà, elle m'a dit donc. Trouvons un petit coin sympa pour mon nouveau copain, l'idole. Est-ce que tu parles de ce coin-là? Ouais, il parlait de ce coin-là. Bon, pour le moment il est heureux, niveau besoin et tout ça descend pas très vite. On va parler à cette idole. Par contre comme c'est la nuit on commence à avoir un petit peu froid. Oh là, cinématique. Comment tu trouves ta vue? Je pense que tu te plairas ici, on dirait qu'on a beaucoup de choses en commun. Ah, cette musique me défonce les oreilles. Après tout, je vis sur cette île, tu vis sur cette île, j'aime parler, tu aimes m'écouter. Oh la folie, la folie. Oh là 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 là. Formant, je peux t'appeler Formant? Cool Formant, nous vivons le début d'une belle amitié. Oh là là, le mal de crâne. Le mal de crâne, la folie totale, la honte d'être, de se rendre compte, se rendre compte qu'il est fou. Et effectivement, il manque un joyau entre les deux yeux, là, au-dessus. Il va sûrement falloir le retrouver. Examiner. Oui, il te manque quelque chose. Comme l'a dit Yayo, il te manque le joyau. Il te manque l'une de tes pierres, ne t'en fais pas, je vais m'en occuper. Ah, tu veux savoir ce que je fais dans ma vie? Je suis mon propre patron. Des mensonges! Vous avez tort de penser que j'attends désespérément l'arrivée des secours. Formant donc notre statut, marque un point, il faut que je planifie ma survie. Il faut donc que j'ai une carrière, et comme on est un homme, nous, on fait de la chasse. Ce qui va nous ramener 74 unités de nourriture et 33 ressources par jour. Je dis oui. Nouvelle carrière. Vous serez averti quand le Sims devra travailler. Super. On évolue bien. On évolue très très bien. Il tente de mettre mon plan à exécution. Mets ton plan à exécution, hein. Pas de quoi il veut parler, ça, c'est un peu bizarre, mais bon. Faim, hygiène, etc. On n'a pas tellement besoin. On manque un peu de ressources, par contre. Donc, on va récolter ça. Donc, quand ce sera l'heure de travailler, je ne sais pas à quelle heure on travaille. Chasseur d'escargots. Ah, génial. Ah oui, moi, je pensais pas à ça. Par contre, il va falloir augmenter notre physique si on veut faire ça. En nageant dans l'océan, vu qu'on n'est pas fatigué, on... Ah si, quand même. Allez, on va dormir. On va pas trop jouer avec les besoins, parce que si jamais, en fait, on exagère pendant un coup, et ben après, c'est fini. Après, possible de se rattraper. Hein. Allez. Oh mince, j'ai pas fermé la truc. J'espère qu'il va rien se passer de particulier. Vous avez vu l'épave là-bas? Moi j'aime bien, hein, sympa. C'est moi, on voit les étoiles dans le ciel qui se reflètent. Ah non, c'est peut-être juste les vagues, je sais pas. C'est joli. Allez, le temps est accéléré, les amis. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Il va falloir aller travailler.
faire chasser des... Oh là 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 là. Et regardez, c'est l'un des orang-outans. Je me demande si Wayata voudrait se lier d'amitié, à moins qu'il soit là pour Fornant. Bienvenue, cher ami poilu. Se lier d'amitié, donner, jouer, haut les mains. On va essayer de devenir ami avec cette bestiole. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un rapide, hein, dis donc. Pomponner, hop. Oh, il est dans l'arbre. Alors, amitié, on en est où? Ah, bah ça y est. Regarde les grimaces. On se pomponne, Qu'est-ce qu'il fait avec sa tête lui? Non mais... Bon en fait les histoires avec le mec et la meuf c'est pareil, hein. C'est la même chose, depuis le début je fais exactement la même chose qu'avec la dame. Donc bon un peu déçu, je pensais qu'il y avait deux histoires parallèles mais non c'est pas grave. Du coup le début je l'ai un peu fait, c'est pas grave, j'avais fait, j'avais 2 ans. oui il y avait très longtemps. Ça fait pas de mal de le refaire un petit coup. Bon, puisqu'il a rien d'autre à faire pour le moment, on va nager. Parce que nager, ça augmente les... Qu'est-ce qu'il fait? Ça augmente les pectoraux. Ah, c'est le jour. Va peut-être falloir aller travailler au bout d'un moment. Alors, voilà. On voit notre progression ici. Bah, c'est pas encore ça. Hein. Nager par là. Il peut nous rejoindre? Non. Nage mon ami, nage. Vous avez vu dans les Sims 2, dans l'eau, il y avait aussi le reflet du prisme. Alors est-ce que si je laisse statique comme ça, ça augmente quand même? Ouais. Parce qu'il bouge tout seul en fait. J'espère qu'il va juste pas mourir. Ah, on a adopté, il faut l'adopter. Hop, allez on va l'adopter. Ah bah ça y est. On pouvait le faire de loin, c'est pas grave. Waouh. Oulala, là là, il est vachement sous l'eau. C'est pas quand il meurt ça? Oulala, là là, qu'est-ce que j'ai fait? Allez ici. Moi j'ai un très mauvais souvenir de quand on voit le Sims que la tête dans l'eau. Hein. Moi, pour moi c'est quand il commence à se noyer. Oula. Alors c'était un bug, mais dans les Sims 2 il me semble que dès qu'on... Oula, il est mort ou quoi? Très bien. Alors pourtant énergie, etc. Ça a pas trop baissé. Bon bah on va retourner dans l'eau, puisque c'est comme ça. Hop là. Enfin, on peut pas nager très loin. Hein. On a bientôt augmenté notre physique au max. Enfin au max. Au 1. D'ailleurs normalement on devrait avoir des muscles qui vont pousser bientôt. Voilà. Bon, on va quand même aller ici. Hein. Atteindre le sommet de la carrière chasse. Obtenir une promotion. Et ben on va s'occuper de tout ça. Normalement, il devrait avoir une poussée extraordinaire de muscles. Hop là. Voilà, mesdemoiselles, ce sera plus agréable pour vous de regarder ça, je suppose. Ok. Il est temps pour David d'aller au boulot. Et ben ça tombe super bien, on va peut-être avoir une promotion. Vu que j'ai augmenté sa compétence physique qui était nécessaire pour avoir une promotion. Allez, va l'ami. Donc là, oui, bah il part comme ça, comme une fleur. D'ailleurs, je crois que le singe peut aussi avoir un emploi. Mais pas tout de suite. Plus tard, comme vous pouvez voir, là, sans emploi, ça veut dire qu'il pourra en avoir. Est-ce qu'il peut ramasser des trucs pour nous? Il sert à rien à part m'empêcher d'accélérer le temps, je veux, parce que je vois. Bon, et ben, on attend notre cher Sim. Car malheureusement, vous en doutez, on peut pas chasser avec lui, hein. Ah, oh, j'ai une idée qui coule. Ah, ça y est, Waita peut nous aider dans le campement. Qu'est-ce qu'il fait? D'accord.
Carrière, fabrication. Alors il me faudrait quelque chose qui ramène plus de ressources que de nourriture, vu que notre team s'amène plus de nourriture que de ressources pour le moment. Arrête de bouffer, gros lard. Non. Récolte. Non. Bon bah fabrication, ça très bien. Hop là. Nouvelle carrière, super. Maintenant que je n'ai plus à me préoccuper de la nourriture et des ressources, je vais pouvoir me concentrer sur mon radeau. Très bien, si tu pouvais rentrer, trouver des liens. Je devrais explorer l'île pour... Ah, ça y est, vont tous les deux chercher de la nourriture. Je devrais explorer l'île pour trouver une ficelle, c'est ça? Une corde, des liens. Ah, lui, il va au boulot par là. Non, non, il fait caca. Bon bah j'attends qu'il rentre du boulot. Parce que là je peux rien faire du coup. Accélérer le temps. Petit macaque, au revoir. Hop là, temps accéléré. Pas grand chose à faire quand le temps est accéléré mais bon. On doit être à 30 minutes de vidéo, on va rester jusqu'à 40 à peu près pour faire des vidéos trop longues non plus. Oulala. Wayata, voulant continuer sur sa lancée après la décoration d'arbres, Wayata a décidé de se décorer également. Comme elle n'a pas accès aux derniers articles à la mode sur l'île Félicité, elle doit faire de son mieux avec les débris qu'elle pourra trouver. Wayata décide que quelques bijoux seraient les mieux à même de la mettre en valeur. Elle ne sait pas quoi choisir entre créer des bijoux avec des déchets ou des coquillages. Bah, des coquillages, non? Même s'il serait plus simple de prendre des déchets, Wayata décide que les coquillages lui conviendraient mieux. En plus, c'est une bonne excuse pour quitter le camp et faire une balade le long de la plage. Après quelques jours passés à ramasser les coquillages, Wayata en a suffisamment pour se faire une jolie paire de boucles d'oreilles et le collier assorti. Le jour suivant, pendant qu'elle se balance dans son arbre, elle fait les animaux, les insectes, la forme, le sac dans son apparence. Elle est un peu trop criarde. Et en plus, ça n'améliore pas l'environnement. Embarrassée, Wayata enlève immédiatement ses bijoux. À la fin de la journée, elle les jette le tout à la mer. Oh, fallait prendre les déchets. On se fait toujours avoir, de toute façon, avec ces trucs. Oh là, et bah voilà. David a gagné les compétences pour devenir dompteur. Voir un lion faire un numéro au cirque n'avait jusqu'alors aucun sens pour vous. Mais toute notre situation actuelle est... Il faudra sauter à travers le cerceau. Vous voulez, je le fasse pour vous. Voilà, vous avez compris, on peut être dompteur. Et notre sim super musclé a besoin d'un point en plus de physique et maintenant du charisme. Très bien. On va quand même explorer l'île, histoire de trouver les fameux liens, parce que nous on veut quitter l'île quand même à la base. Il nous faut des liens pour notre radeau. Temps de chargement, pas de musique, je vais me suicider. Ah enfin. Il faut que je trouve l'épave de l'avion, je trouverai peut-être des liens. Oh bah allez, c'est parti, on fouille. On fouille. Cette musique... Je sens que ça va être dans le petit coin là-bas. Dans le coin complètement paumé ici, c'est obligé. C'est toujours comme ça, on voit des fils ici. Et bah voilà. Je sais pas ce qu'on a ramassé, mais on l'a ramassé. Ah c'est... D'accord, très bien. Ah bah ok. Fouiller l'épave, et bah alors fouille. Qu'est-ce que c'est? Une gemme? Je parie que c'est le troisième œil manquant de Formant. Oh, j'ai hâte de lui montrer. Vite, on va remettre ça sur notre statue. Je ne suis pas enrhumé. La famille barrière. On aura tout vu, hein. Dans les Sims 2, ils étaient beaucoup plus olé olé, les noms des noms de famille quand même, hein, que dans les Sims 4. Oh là 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 là, Formant, je suis rentré et j'ai une surprise for you. Replacez l'œil. Que va-t-il se passer quand on va remettre l'œil de Formant? Ah, une seconde.
Boyata a gagné les compétences pour devenir esprit logique. Vous avez entraîné votre ami orang-outan à appuyer sur un levier pour trouver de la nourriture. Puis vous l'avez appris à faire quelques tours de passe-passe simplifié. Maintenant, vous dessinez cette fameuse illusion d'optique de la femme jeune ou vieille dans le sable. Vous demandez à orang-outan de la porter. Vous lui dites que c'est une vieille dame. Le sage vous répond, une jeune ou une vieille. On dirait une voleuse de bananes. Génial. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ouf, il est en train de nous voir nous amuser avec Ormand. Avec forme. Oh my god. Un gaz bizarre. David a contracté une maladie mystérieuse. Il faut qu'il trouve un remède avant qu'il ne soit trop tard. Oh non, Formant, mais que t'ai-je donc fait? C'est comme si je m'étais frotté à un canard en pleine pandémie. D'accord. Trouver un remède. Mais où est-ce qu'ils veulent que je trouve un remède? Dans ma truc? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là. Oui, oui, bah, tiens. Wow. De rien surtout. Ça fait plaisir. Ah, très bien, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi... Ah, d'accord. Waouh, on est super heureux, hein. Richissime. Bon. On n'a pas trop exploré la cité des singes, on a beaucoup fait l'épave, je crois. Oui, que l'épave d'ailleurs, on n'est pas allé autour, mais c'est pas grave. On ira peut-être après, il va falloir qu'on trouve un remède. Alors, un remède. Peut-être une cabane. Bon, à part du bois, mais j'ai pas envie de ramasser ça. Ça va fatiguer notre sim. Ah, je vais mettre en pause pendant que je cherche, d'ailleurs. À part des toilettes ici, en fait, il n'y a rien. Je me rappelais même pas que c'était ici qu'on avait vu les animaux. Là, c'est pas ici. Qu'est-ce qu'on fout là? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Parce que c'est... Je sais pas ce que c'est, mais... Je sais pas ce que c'est cet endroit. D'accord, j'arrive plus à parler. Je sais pas ce que c'est... Je sais pas ce que c'est cet endroit, mais... On va aller aux ailes brisées. En appuyant sur mode vie. Voilà, parce que sinon... Comment vous dire que ça n'avance pas? Où est la musique? La musica. Where is, comment est-ce la musica? Les ailes brisées. Les ailes brisées. Oh! Caméra qui bouge tout seul. Cinématique. Wow! Tonnerre éclair, comme chez moi. Ça a fendu l'arbre en deux. Si ça, ce n'est pas un signe. Ça a fendu l'arbre en deux, ce qui crée un chemin vers une zone totalement incroyable. Chargement, le lagon ombragé. Oh là 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 là, les amis, on avance bien là. Oh, il y a mes muscles qui ont grossi d'un coup. Waouh, cet endroit est fabuleux. Prums pour la pénicilline. David, vite. On va soigner David et je pense qu'on va se laisser les amis juste après. Allez David, David Barrière. Waouh, cinématique. Oulala. C'est pas prévu ça. C'est bon. David n'est plus malade. Chapitre 6, un nouveau jour se lève. Chapitre 6. Chapitre 5 terminé, vidéo terminée les amis, je pense que ça va faire une bonne trentaine de minutes, une bonne grosse trentaine, voire 40 minutes que nous sommes ensemble. On va attaquer le chapitre 6, un jour se lève, je sais plus quoi déjà, dans le prochain épisode. Je n'ai aucune idée du nom d'épisode qu'aura ce mini ou ce géant let's play, ça se trouve ça va durer 3 heures.
ce let's play. Ça se trouve, ça va durer que 2 vidéos. Je n'en ai pas la moindre idée. Je ne l'ai jamais terminé. C'est pour ça que je le fais avec vous. Voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner, hein, laisser un commentaire. Et puis on se retrouve dans l'épisode prochain pour continuer cette incroyable aventure. Un petit like, abonnez-vous, commentaire, partagez, etc., etc., etc. Vous connaissez la chanson. Merci à tous, à bientôt.